Vous êtes sur RTL. Il est 23h. Et presque une minute, je vous le concède, vous retrouvez Caroline Dublanche pour Parlons-nous juste après les infos de Céline Landreau. Le service de réanimation de l'hôpital de Creil où a été pris en charge le patient français décédé du coronavirus est fermé pour 2 semaines. Décision annoncée par l'agence régionale de santé alors que l'on ignore encore comment cet enseignant de 60 ans qui a finalement succombé la nuit dernière à la Pitié salpêtrière, comment donc il a été contaminé, lui qui n'avait pas voyagé dans une zone à risque. Pas de voyage non plus pour cet autre homme d'une cinquantaine d'années, originaire là aussi de l'Oise et qui reste hospitalisé dans un état grave à Amiens. La France compte donc ce soir 18 cas recensés, quand l'Italie, elle, dépasse désormais les 400. L'Italie et ses supporters qui n'iront pas en Irlande le 7 mars prochain. Le match de rugby du tournoi Destination entre les deux équipes est reporté. Pas de report, mais une annulation à Nice pour la dernière journée du carnaval qui était prévue samedi. Une mesure de précaution, a expliqué le maire Christian Estrosi. Annulation également de la fête des citrons à Menton. Dans l'actualité également, 2 mineurs blessés et au moins l'un d'entre eux par balle après de nouveaux coups de feu ce soir dans le quartier sensible de Planoise à Besançon dans le Doubs. L'adolescent de 13 ans touché par un tir à la jambe a été hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger. Les règlements de compte s'enchaînent sur place depuis le mois de novembre sur fond de trafic de stupéfiants. Le foot, vous venez de le vivre sur RTL. Ce début d'exploit de la part de l'Olympique lyonnais face à la Juventus Turin, victoire 1-0 à domicile face aux Italiens, but de Luca Touzard. L'OL qui garde donc toutes ses chances de qualification après ce 8e de finale aller de Ligue des Champions, dont l'autre rencontre de la soirée, Manchester City est allé battre le Real Madrid chez lui, 2-1. Le temps demain agité avec dès la matinée de la neige qui pourrait d'ailleurs tenir au nord de la Seine et près des frontières du Nord-Est. Quelques centimètres attendus et 9 départements qui seront placés en vigilance orange demain matin à partir de 6h. De la pluie sur les autres régions, notamment sur la moitié ouest, et cette perturbation va ensuite traverser le pays, se décaler vers l'est et donner là encore beaucoup de neige sur les Alpes. Attention donc aux avalanches dans les Alpes du Nord. Prudence aussi avec le vent qui pourrait atteindre les 100 km/h sur les côtes et les reliefs. Les températures proches des gelées en matinée, entre moins 1 et 3 degrés en moyenne. L'après-midi, comptez 4 à 10 degrés sur la moitié nord, 10 à 15 voire 16 degrés encore dans le sud du pays.